L'évangile de ma bouche est erroné pour mes cheveux tressés. Ma grand-mère veut que je les coupe et quand elle me parle, elle a l'air stressée. Quand elle me donne des conseils, je sens bien que ça vient de l'esprit. J'annonce la bonne nouvelle et quand je le fais pas d'esprit. La preuve en est que j'avais aidé une fille à se reconvertir. J'étais là pour gagner son âme et pas là pour divertir. Mais seulement voilà, elle fait partie des gens qui me bannent sur Twitter. J'écoute les conseils des sages, pour les autres, je mets mes écouteurs. L'évangile, pour ça ils disent que j'ai la coupe d'un bandit. C'est faux, je suis saint et je suis plus sage que Gandhi. Le Saint-Esprit me défend et dans la foi je grandis. Je prends du quoi pour les démons, c'est une mission tendue. Dieu a fait des miracles, mais Pharaon était têtu. Qui t'a dit que le diable était grand, il est plus que petit. Sa force se manifeste seulement quand tu t'éloignes de l'esprit. Y'en a qui préfèrent moi d'avant, mais maintenant j'ai plus d'inspect. C'est lui le seul chemin, Jésus-Christ est victorieux. Une histoire d'héros, plus que la prise de la Bastille. Et oui, je suis noir, mais avant d'être noir, je viens du ciel. En plus, j'ai Dieu avec moi, donc pas besoin de pitié des hommes racistes. Donc tuez-moi si vous voulez.